a ce qui se mesure, et l'on ne saurait plus se passer de ce chiffre qui jauge le réel, au point qu'on confond parfois l'un et l'autre. Au sommaire de cette émission, le divan dans le monde avec Jérôme Fourquet, star des sondeurs, arpenteur infatigable de la politique française. Et puis, il y a ce qui échappe à la numérisation, la pulsion de mort qui insiste, et dont Philippe Lassagna nous donnera des nouvelles dans son actualité de la psychanalyse. A tout de suite. Jérôme Fourquet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation au studio Lacan. C'est la première fois que vous venez. Nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir. Alors, on ne vous présente plus. Vous êtes directeur du département stratégie et opinion à l'IFOP, institut privé de sondage. Vous êtes politologue. Votre discipline est la sociologie politique électorale. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, La France d'après, publié chez aux éditions Tableau politique, pardon, publié aux éditions du Seuil. Et vous êtes très souvent invité dans les médias pour éclairer l'opinion sur de nombreux sujets, et notamment sur la géographie électorale. Vous avez aussi collaboré à la nouvelle série La Fièvre d'Éric Benzekri, qu'on a pu commencer à voir avec bonheur, je dirais, sur nos écrans, même si ça peut être un peu angoissant. Alors, il y a deux Jérôme Fourquet. Il y a le sondeur et le politologue. Il y a celui qui manie les chiffres et celui qui manie les lettres. On vous doit notamment la formule devenue célèbre de France archipélisée. Votre travail repose donc à la fois sur les sondages et à la fois sur un travail d'arpenteur plus proche de celui de géographe. Alors, pourquoi la cohabitation de ces deux méthodes que vous appelez avec un certain humour la carte et le camembert, d'où le titre de notre émission? Merci à vous. Alors, la carte et le camembert, on voit la référence au titre du livre de Michel Houellebecq sur la carte et le territoire. Donc, moi, je suis en partie géographe de formation. Donc, la dimension spatiale, géographique, m'a toujours passionné. Et puis, il se trouve que je travaille dans un institut de sondage. Et souvent, en France, on a opposé les deux disciplines pour appréhender le réel ou la réalité sociologique, c'est-à-dire soit l'approche purement statistique, avec les graphiques, les tableaux et les fameux camemberts, soit une approche plus monographique, avec une démarche géographique qui s'apparenterait davantage à celle d'un reporter de terrain. Et moi, j'ai acquis la conviction, au gré de mon expérience professionnelle, que, comme souvent, il était vain d'essayer d'opposer deux écoles, et que le mixage des deux approches était souvent plus pertinent pour donner à voir au mieux et au plus près la réalité que vivent nos concitoyens. Donc c'est à la fois, si vous voulez, par formation initiale, mais aussi ensuite par conviction intellectuelle que j'essaye et que je m'emploie à essayer d'hybrider et de mêler les deux approches. Alors donc, à vous suivre, est-ce que vous seriez d'accord tout de suite pour qu'on dise il y a ce qui peut se mesurer en chiffres et puis ce qui échappe au chiffrage? Alors, on peut dire ça comme ça, même si l'approche par le terrain peut aussi être quantifiée. Oui. Peut être aussi être débouché quantifiée. Sur un chiffrage. Ce qui m'intéresse surtout là dans le mixage des deux approches, c'est que le sondeur va être assez jacobin en fait. C'est-à-dire qu'on sonde depuis Paris. On a le fameux échantillon national représentatif de 1000 ou 2000 personnes, mais qui évacue par construction, puisqu'on n'a pas, des échantillons suffisamment importants, la dimension géographique. Et donc, par exemple, on va nous dire les membres de telle catégorie sociale prennent telle position sur tel sujet ou ont émis tel vote, ce qui sera sans doute vrai au niveau national, mais qui ne permet pas de rentrer dans la profondeur et la complexité des choses, puisque typiquement, un ouvrier du Nord-Pas-de-Calais ne voit pas exactement les choses de la même manière qu'un ouvrier de la Vendée
où il y a un taux de chômage à 3%. Et donc c'est plus dans cette démarche-là que je souhaite croiser les deux approches, à la fois donc locales et puis réinstaller l'effet du milieu, l'effet de l'environnement de proximité et de, comme on dit dans notre jargon, de contextualiser les chiffres que nous produisons, nous, par ailleurs, mais souvent uniquement au niveau national. Et comment faites-vous, peut-être pouvez-nous dire quelques mots sur ce choix qui est toujours considéré comme partial, des questions à poser, des paramètres à mesurer, puisque c'est un choix et que ça détermine les réponses. Alors, bien sûr, les questions... Vous avez rappelé qu'on est une entreprise privée, donc on travaille la plupart du temps pour des clients. Et donc l'élaboration des questionnaires, il se fait en coproduction, si je puis dire, entre le commanditaire et puis le sondeur. Nous, on a une marque de fabrique, on s'appelle l'IFOP, donc on essaye de ne pas poser n'importe quelle question, d'avoir des choses qui soient les plus balancées, les plus équilibrées possibles. Mais c'est toujours le fruit d'un compromis. Et puis, on essaye, et souvent les sondages sont réalisés, en partant, encore une fois, de l'actualité ou du réel, c'est-à-dire que on a un phénomène qui émerge dans la société, il y a un événement d'actualité, et bien donc on va essayer de rédiger des questions qui permettent de voir comment se distribuent les opinions sur un sujet donné. En disant voilà, on a fait le tour de la revue de presse, on a entendu les différentes positions sur tel sujet, et on essaye, alors c'est pas forcément évident, de les synthétiser pour que ça tienne en une ou deux questions, en demandant, voilà, vous êtes sur tel sujet, est-ce que vous êtes plutôt favorable à telle option ou à telle autre. On essaye aussi de laisser le plus possible la porte ouverte avec le fameux « ne se prononce pas » pour que une partie de la population qui souhaite pas ou qui ne peut pas se positionner sur tel enjeu eh bien puisse trouver un échappatoire. Pour éviter le problème de la fausse dialectique, par exemple. Il n'y a pas toujours deux choix. Oui, oui, tout ça. Alors, je vous ai dit, là j'ai fait binaire, mais on peut avoir trois, quatre modalités, etc. Alors, justement, par rapport à ce que vous venez de dire, l'opinion, par définition, c'est mouvant. Oui. L'opinion, c'est la rumeur de fond qui fluctue en fonction des discours ambiants. Donc, c'est quand même très instantané, l'opinion. Oui, oui, oui. Même s'il y a des constances et des constantes, cette opinion... Alors, comme on l'a dit précédemment, d'abord, elle est souvent diverse et multiple. Quand on dit l'opinion publique, on a étudié Bourdieu, nous aussi, à l'école, mais moi, je considère que l'opinion publique, ça existe, mais qu'il faut souvent lui mettre un S, parce qu'il y a plusieurs opinions. On voit bien qu'il n'y a pas de consensus dans la société. Donc ça, c'est le premier point, c'est une diversité de points de vue qui peuvent s'exprimer à un moment donné. Et puis, vous avez également raison, ça, c'est à un moment donné. Et au fil du temps, les choses peuvent évoluer. Alors, soit au gré des prises de position ou du débat politique et médiatique, c'est souvent ce que pensent les leaders d'opinion, en ayant la conviction que c'est eux qui façonnent l'opinion. Et nous, ce qu'on essaie de montrer aussi, c'est que les évolutions de l'opinion répondent aussi à d'autres types de dynamiques, à d'autres types de logiques qui peuvent être liées à l'évolution des conditions de vie ou des conditions matérielles des individus, au changement d'une situation politique ou géopolitique, sans forcément que les leaders d'opinion aient une influence sur cette évolution. Et donc, ce qu'on essaye aussi de faire à l'IFOP, puisque on est parfois, et en partie à juste titre, présentés comme des gens qui travaillent uniquement sur l'instantané, sur quelque chose qui est assez évanescent, parce qu'il va changer, c'est d'essayer de suivre, sur certaines thématiques, les fluctuations ou les constantes, ou les constances de l'opinion publique, en reposant quelques années, quelques mois plus tard, la même question, pour voir si les positions ont évolué ou pas. Alors si on essaie de rester sur la question de l'opinion, est-ce que l'opinion... Si on essaie de le ramener à une définition, est-ce que vous seriez d'accord pour dire l'opinion, c'est les mots qui circulent? Est-ce que ça vous irait comme formule? Alors, ou est-ce que vous considérez que dans l'opinion, il y a quelque chose qui intègre aussi, je dirais, les modes de vie? Alors, vous parlez de dialectique tout à l'heure. Je dirais que ce sont les convictions, les représentations qui circulent
et qui sont partagées plus ou moins dans la société, et qui sont conditionnées effectivement à la fois par des phénomènes matériels, le niveau de vie, la question de l'insécurité, l'immigration, le réchauffement climatique, tout ça influe sur les opinions, et puis également aussi sur la capacité que ont certaines instances, certaines institutions ou certains collectifs à faire passer ou non leur propre grille de lecture, à leur propre vision du monde. Donc l'opinion ou les opinions, c'est un peu la résultante de tout ça. Donc voilà, sur tel sujet, comment vous voyez les choses. Mais à ce propos, vous parliez des leaders d'opinion. Est-ce qu'il arrive que des leaders d'opinion vous commanditent une étude pour justement faire passer les mots d'ordre dont vous parlez par le biais d'un sondage? Et comment faites-vous si ça se produit? Alors, ça, effectivement, on a des leaders, alors des leaders d'opinion ou de nature diverse et variée. On peut avoir des formations politiques, un journal, une association, une marque qui commande un sondage sur un sujet en pensant que les résultats qui vont sortir du sondage vont montrer que les positions que cette instance défend ou a prises sont largement partagées, qu'ils sont donc légitimés par la société. Alors ça fait partie du jeu et nous on n'y voit pas de manipulation, c'est-à-dire que typiquement on parlait du réchauffement climatique, les gens qui peuvent dire nous on est convaincus qu'il se passe des choses et on va sonder les Français en leur demandant est-ce que vous avez le sentiment ou l'impression que y a des bouleversements climatiques en cours et parce que le commanditaire il peut discuter avec nous de la formulation des questions, mais une fois que le sondage va être lancé on aura les résultats qu'on aura, et donc nous on fait juste que prendre la photo et la restituer. Là où on peut avoir parfois des débats, c'est le fait de toujours sonder sur les mêmes problématiques. Oui, même pas simplement prendre un facteur, nommer, choisir de traiter un facteur, même si on cherche à le dialectiser dans le sondage, on le fait exister en soi. Quand on prend une question, le pouvoir d'achat, on fait exister, on contribue, rien que par le choix de la question, à cristalliser à un moment. Vous dites, on prend une photo, mais est-ce qu'une photo, c'est, comment dire, c'est déjà choisir un cadre de oui, photographier? Bien sûr. Mais si vous voulez, vous ne faites pas advenir. Vous inscrivez pas, comme disent les communicants, à l'agenda un sujet via un sondage si l'état de la société ne le permet pas. C'est-à-dire, vous avez telle ou telle entreprise... Là aussi, il y a une dialectique, probablement, entre quand même la puissance d'un sondage, sa publication ou pas, et l'état d'acceptabilité de cette problématique dans la société à un moment donné. Alors... est-ce que c'est faisable ou non de faire un sondage? Là, il y a une dialectique, mais c'est assez libre en France. En revanche, ce que j'essayais de faire passer comme idée, c'est que on peut avoir un collectif qui va être très sensible à une problématique. C'est-à-dire, on va commander un sondage à l'IFOP sur ce sujet, et la publication, la médiatisation de ce sondage va faire, comme on dit dans le jargon, le buzz, et on va installer cette problématique dans l'opinion. Sauf que si la thématique sur laquelle on nous demande de travailler n'est absolument pas mûr. Ça prend pas. Non, voilà, on va tester la sensibilité, je ne sais pas quoi, moi, à telle ou telle cause. Et puis, vous voyez que 85% des Français n'en ont jamais entendu parler. Et puis que ceux qui en ont entendu parler, la classe, en avant-dernière position de leurs préoccupations. Bon, on ne peut pas manipuler l'opinion, tant que ça, finalement. Bah, c'est ça que vous nous dites. Moi, c'est ce que je pense. C'est-à-dire que, quand on dit, on prend la photo. Et si, alors il y a un angle, il y a un cadre, mais on va rester dans la métaphore photographique, dans ce cas-là, il faut parfois avoir un très gros zoom
Pour dire, vous avez regardé, dans cette grande photo, il y a un tout petit sujet. C'est ça. Qui a... Mais ce que dit Marie, c'est, ça pose la question, effectivement, de ce qu'une photo immortalise. Et c'est ce que, d'ailleurs, c'est l'expression consacrée. On a d'un certain... tableau vivant, mouvant. Et du reste, vous-même, vous faites référence dans votre dernier livre à Julien Gras, qui est l'immuabilité de la situation française à partir de 1914 jusqu'à 1930, je crois. À quel point, finalement, ça a changé aujourd'hui. Ça pose la question de, est-ce que finalement votre sous-titre, le tableau, est-ce que, d'ailleurs vous publiez plusieurs livres de façon très rapprochée ces dernières années, est-ce que finalement c'est pas un film que vous faites là actuellement plus que des tableaux? Est-ce que la géographie est encore la bonne discipline pour ça, ou est-ce qu'il n'y a pas aussi de l'histoire en train de se faire? Ah mais bien sûr. Et ce qu'on disait tout à l'heure, hein, l'opinion c'est une matière vivante. Donc elle va évoluer, nous c'est ce qui nous passionne, hein, de voir... si elle évolue ou non, à quel rythme, en fonction de quels paramètres, est-ce qu'on peut détecter ou non des moments de bascule. Je prends un exemple sur lequel on avait travaillé, qui est assez saisissant. C'est par exemple l'évolution du regard de la société française sur l'homosexualité. Et alors, on va faire la synthèse de tout ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure. Donc, on contacte un grand journal au moment du débat sur le mariage pour tous, en disant il pourrait être intéressant, bon, on va sonder sur le mariage pour tous, mais de dézoomer et d'avoir aussi des questions qui nous permettraient d'approcher, autant que faire se peut, le regard que portent les Français. Donc qui peuvent être différents, sur la question de l'homosexualité. Et comment ça évolue ou pas dans le temps, avec déjà un moment de passage qui avait été le vote du PACS. Et donc on retrouve dans nos archives des enquêtes sur la question qui avaient été posées en début des années 80. Et comme vous le disiez, nous on était très intéressés à reposer ces questions pour voir comment les choses avaient évolué. On avait une première photo historique. Sauf que le libellé des questions de l'époque était très marqué par l'état de l'opinion à ce moment-là sur l'homosexualité. Et donc, nos confrères qui avaient travaillé à l'époque, eh bien, c'était, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, emparés des idées ambiantes. Ils les avaient formulées en items. Comme quoi, une partie de la réponse est dans la question. Oui, bien sûr. Et comme quoi, il y a un zoom... suivant le zoom qu'on prend ou le filtre qu'on met sur l'appareil photo, on n'a pas tout à fait la même la même photo. Mais donc du coup, on a reposé la question à l'identique, et une des questions était la suivante, pour vous l'homosexualité, il y avait trois modalités de réponse, est-ce que c'est une façon comme une autre de vivre sa sexualité, une maladie à guérir? Donc on se dit, ça s'est testé en sondage à l'époque, donc ça en dit quand même long, ou une perversion à combattre. Et donc quand on dit, bon, est-ce qu'on repose ça? Donc on s'est posé les questions, donc rien que le fait que nous-mêmes nous posions la question de savoir est-ce qu'on peut relancer ça dans un sondage, et donc on décide de le faire pour voir comment les choses avaient bougé ou non, et à l'époque on avait 40% de Français qui se positionnaient sur les deux dernières modalités, et quand on fait le sondage en 2013 au moment du débat sur le mariage pour tous, on est à 15%, et donc vous voyez là comment l'opinion a bougé. Alors, c'est pas non plus, on se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, c'est pas non plus les mêmes Français. Toute une partie de ceux qui répondaient ça au début des années 80 sont sans doute décédés depuis, hein, c'est des générations les plus âgées. Puis les générations montantes se sont construites anthropologiquement, psychologiquement, avec un autre regard et un autre rapport sur l'homosexualité. Donc là, notre travail a consisté à essayer d'objectiver l'évolution du regard de la société sur l'homosexualité. Et on voit là aussi la dialectique entre l'évolution des consciences, des opinions, et puis l'évolution aussi du cadre juridique, parce qu'à partir du moment où on permet l'union civile, puis le mariage, puis l'adoption, on contribue aussi à faire évoluer les consciences ou les regards sur ce sujet. Donc vous avez l'idée que votre travail est plutôt descriptif plutôt qu'interprétatif? Ah, c'est les deux. Les deux. Si vous voulez, le travail de base, c'est quand même de prendre la photo pour nous. C'est-à-dire rédiger les questions, réaliser les sondages, et ensuite les restituer à nos clients. Et l'écriture de mes livres répond aussi à
des frustrations qui pouvaient exister chez moi, qui étaient de deux ordres. La première, c'était de se dire, bah, c'est bien de produire les données, de publier, mais c'est un peu court. Et en fait, on a une matière première qui est très riche et qui nécessiterait ou qui mériterait qu'on s'y penche un peu plus et qu'on la mette en perspective. C'est ça, c'est votre désir d'historien finalement et de sociologue qui se manifeste. Voilà, voilà, tout à fait. Et puis la deuxième frustration, c'était comme vous le disiez, on produit quand même beaucoup de données et on avait parfois le sentiment, justifié je pense, que un clou chasse l'autre et que rien ne restait. Et donc, on avait l'idée, enfin, la sensation qu'on était un peu comme dans une chaîne d'infos en continu. Et donc, on voyait la société évoluer. Donc, nous, on participait à ça en produisant de la donnée et du sondage, mais qu'il n'y avait aucun retour et aucun regard un peu posé en disant on va prendre un peu de champ et regarder, typiquement sur cette question de l'homosexualité, qu'est-ce que ça disait il y a 15 ou 20 ans. Alors, il y a du boulot, hein, parce qu'il faut aller rechercher les vieilles enquêtes, etc., etc. Mais moi, c'est ça qui me passionne. Donc c'est à la fois, j'allais dire, un travail de production de la donnée, qui est encore une fois le cœur de notre métier, et puis après essayer de remettre cette donnée ou ces résultats en contexte, à la fois historique, géographique, en disant est-ce qu'il y a des différences selon les endroits, ou quels sont les facteurs qui vont faire que telle ou telle opinion va être partagée ou non. Est-ce que vous avez l'impression, après avoir été d'une certaine manière un outil, participer à cet outil qui est le sondage, est-ce que vous avez l'impression maintenant que vous êtes devenu une espèce d'acteur de la société, voire la politique française ? Alors, on essaie de rester à notre place et de ne pas verser dans une forme d'hubris en disant voilà, encore une fois, les sondages ne sont pas notre initiative la plupart du temps. On a des commandes qui nous sont passées. Et puis, du fait de notre visibilité en tant qu'IFOP, et là, c'est les vertus, j'allais dire, les vertus de la contrainte commerciale, on ne peut pas faire n'importe quoi. Quand on travaille dans un institut comme le nôtre, parce qu'on engage l'image et la réputation de l'institut. Et donc, il faut savoir essayer de refuser certaines demandes qui nous sont faites, essayer de prendre la distance nécessaire. Et parce que quand on parle, on engage aussi la responsabilité de notre collectif, parce qu'on est une entreprise, mais donc c'est aussi des gens qui y travaillent. Donc, c'est pas toujours facile. Mais c'est un peu des forces de rappel qui s'impose à nous, et c'est très bien comme ça. Alors, justement, vous êtes très attaché aux valeurs républicaines. Est-ce que il n'y a pas un risque à finalement donner, enfin, à interférer sur l'opinion d'une certaine manière en cristallisant à certains moments l'opinion, en la faisant. Alors, ce que je vous disais. Encore une fois, hein, on n'est pas des magiciens et on n'a pas la possibilité de... Oui, de créer. De créer une mais... Alors, on peut révéler, au sens photographique du terme, en disant, tel sujet est en train de monter, eh bien, il y a un sondage qui montre que une majorité de Français serait favorable à telle option. Si le sondage n'est pas publié, personne ne sait si cette option est majoritaire ou minoritaire. Mais ce n'est pas nous qui créons le rapport de force. Alors, peut-être, par exemple, prenons le terme de décivilisation, puisque c'est un terme qu'a repris Emmanuel Macron, je crois, suite à la proposition de ce terme. Dans un débat privé avec vous. Dans un débat privé avec vous. Ah, c'était pas prévu que ça sorte. Si j'étais en train de travailler à la rédaction de ce livre. Donc voilà. Ça, c'était d'ailleurs un chapitre. Voilà, exactement. Exactement. Alors d'abord, une question simple. Qu'est-ce que vous mettez sous ce terme ? Peut-être que ce serait déjà intéressant qu'on l'entende. Et ensuite, est-ce que utiliser ce terme, ça n'est pas déjà, d'une certaine manière, un parti pris ? Alors, là, on est un peu dans les goûts et les couleurs.
Bon, il y a la genèse de cette histoire que vous avez rappelée. Ensuite, il y a eu un petit emballement médiatique qui était absolument pas souhaité parce que ça n'avait pas vocation à sortir. Et comme je le disais, ça serait un chapitre du livre où j'essaie d'expliquer la démarche. Et donc, moi, quand je parle de décivilisation, je me réfère explicitement aux travaux de Norbert Elias, qui parlait, lui, du processus ou du process de civilisation. Hein, comment... Voilà, il faut que je fasse attention, je parle devant des psychanalystes. Comment les mécanismes d'autocontrôle, de gestion des affects, de canalisation des pulsions, se sont sociétalement mis en place. Donc Elias date ça à la sortie du Moyen-Âge, dans les cours royales, et puis ensuite par capillarité, tout ça serait diffusé dans la société. Donc moi j'avais été marqué pendant mes études par ces lectures-là. Et puis j'étais également marqué... en tant qu'observateur de notre société contemporaine, par le développement de toute une série de comportements qui me laissaient à penser ou m'interrogeaient sur le fait de savoir si ces inhibiteurs ou ces facteurs canalisant le recours à l'agressivité, à des formes de violence, au non-respect d'une certaine forme d'autorité, eh bien, est-ce que ces mécanismes éliassiens étaient encore aussi opérants qu'ils l'avaient été, ou non? Et s'ils ne l'étaient pas, est-ce que ce ne serait pas là la cause ou le terreau qui présiderait au développement de ces comportements divers et variés? Donc, j'en liste plusieurs séries. Le fait que, par exemple, des élus locaux peuvent se faire molester, agresser verbalement, à tel point qu'aujourd'hui, on les protège légalement, parce que la seule protection symbolique qui était conférée par leur statut, manifestement, ne suffit plus. Ce qui se passe dans un certain nombre de salles de classe, ce qui se passe aussi dans des guichets de services publics ou d'entreprises, où, quand on fait un... Alors, on fait aussi du terrain... On ne fait pas que des enquêtes quantitatives, on fait aussi des enquêtes qualitatives. Donc là, ce n'est pas des questionnaires fermés. On va discuter avec les gens pendant un moment, les fameux qualis. On voit dans la fièvre. Alors qu'ils sont dans la fièvre, voilà, qui ont beaucoup intéressé Eric Benzekri. Et donc les gens, enfin une partie de ces gens qu'on dit, alors vous voyez, en bon français, c'est, tout est dit aussi, on dit qu'ils sont en front office. Donc en français, on dirait qu'ils sont au front. Ils sont en contact direct. Première ligne. En première ligne. Et ils encaissent cette montée aussi de la conflictualité, d'une forme d'agressivité, la moindre capacité à gérer la frustration. Donc, je pense que tous ces sujets vous parlent. Donc, on essaie d'objectiver, ce qui n'est pas évident, ce type de d'attitude, pour voir à quel niveau ça se situe, est-ce qu'il y a des groupes sociaux qui sont plus touchés que d'autres, etc. Et c'est sur la base de tout ça... Je me suis dit, voilà, est-ce qu'on n'est pas rentré dans un processus inverse de celui qui avait décrit Elias, d'où le terme de décivilisation? Alors, le terme est peut-être un peu trop dosé, et peut-être pourrons-nous parler d'érosion, au stade où nous en sommes, d'érosion du processus de mécanisme civilisation éliassien. Oui, parce que de notre point de vue, un des apports de la psychanalyse, c'est de montrer que la civilisation, finalement, ne fait que déplacer ces phénomènes de violence que vous décrivez, les déplacer aux marges, finalement, de ce qui est à l'extérieur, de ce qui fait le lien social de la fraternité. Cette ségrégation qui maintient un calme et un lien social apaisé à l'intérieur, fait que déplacer, finalement, ce qui va être la guerre, et notamment Freud interprète la guerre de 14-18 comme étant une des conséquences possibles de l'ère victorienne, qui est quand même une grande ère de civilisation. Mais on peut aussi voir le même phénomène se produire au moment où le commandement d'amour dans le christianisme apparaît, et finalement la violence se déplace à l'extérieur vers ceux qui ne sont pas chrétiens. Sans parler des adorables bouddhistes qui commettent quelques exactions ces derniers temps là où ils sont installés. Donc il y a partout ce phénomène-là où finalement la question qui pourrait se poser, c'est est-ce que c'est une décivilisation ou est-ce que c'est finalement un changement de civilisation dans lequel, comme vous l'avez montré dans votre premier ouvrage célèbre, mais il y en a eu d'autres avant, mais sur l'archipélisation de la France, c'est finalement qu'il y a une archipélisation. Ça veut dire que les lignes de fracture ne sont plus à l'extérieur de l'État-nation, mais à l'intérieur. Alors, ça c'est une piste explicative,
même si ce que j'essaie de montrer, vous voyez, c'est que cette conflictualité ou cette moindre capacité à respecter un certain nombre de codes ne va pas uniquement se manifester au point de jonction des différentes îles de l'archipel. Je reprends mon exemple du guichet. Quel que soit le sexe ou la couleur de l'individu qui se trouve de part et d'autre, ça peut très rapidement monter dans les tours, comme on dit. Et donc là, moi, j'essaye aussi de travailler là-dessus sur comment l'individu contemporain se construit, en fait, avec la sociabilité primaire au niveau de l'enfance, le rôle du marché, avec le développement de la relation contractuelle client servant dans toute une série de compartiments de la société. Ça, Philippe Lassagna va nous en parler tout à l'heure, justement, dans la deuxième partie de notre émission. Et vous voyez, je disais, on va faire un peu de publicité pour une grande enseigne de restauration rapide. McDo vous dit, venez comme vous êtes. Donc, il n'y a aucun effort à faire et c'est à l'entreprise de s'adapter. L'Oréal nous dit, vous le valez bien. Donc, tout ça participe à gonfler aussi les égos et faire en sorte, de mon point de vue, que eh bien, l'acceptation d'un certain nombre de contraintes, de règles, de cadres, aujourd'hui, s'effectue moins bien, y compris au sein même de la société, que dans les périodes précédentes. Alors, est-ce que c'est pas ça, justement, qui explique la conclusion à laquelle vous arrivez dans votre ouvrage sur les trois grands blocs politiques, dont vous expliquez leur fragilité relative pour certains, la solidité du bloc RN plus ancien. Est-ce qu'au fond, c'est pas ce changement de rapport à la hiérarchie, à l'autorité, ce déplacement des modes d'organisation de la société qui se manifeste là dans les différences entre ces blocs? On a le bloc centriste qui est plutôt, qui s'est constitué de façon opportune autour d'Emmanuel Macron, qui là se fragilise à l'approche de la fin de son deuxième mandat. On a un bloc RN qui est ancien, mais qui manifeste plutôt une forme d'organisation peut-être plus du passé. Et on a le bloc NUPES, LFI, dans lequel on a une certaine aussi opportunité de rassemblement. On voit qu'après Gaza, elle a été fragilisée, pour pas dire disparue. Est-ce que finalement, c'est pas ça dont il s'agit? Est-ce que c'est pas le passage à un mode d'après-patriarcat dans lequel finalement il y a une contractualisation de tout? Vous dites, vous mettez au premier plan l'individu consommateur dans votre livre, je trouve que c'est très bien montré. Ça évoque ce que Jacques-Alain Miller et Jean-Claude Milner avaient explicité dans un livre « Voulez-vous être évalué ?» sur le passage du monde finalement réglé par la loi au monde réglé par le contrat. Et est-ce que c'est pas ça qui explique finalement que les blocs se constituent maintenant de façon peut-être opportuniste, temporaire, pour permettre des gouvernements à un moment donné, et qu'on n'aura plus jamais ces modes façon RN, qui sont peut-être obsolètes? Alors, on verra pour le RN, parce qu'il y a, une dynamique. Il y a quand même une certaine dynamique. Là où je vous rejoins, c'est sur deux points. Le premier, ce que j'essaie de montrer dans mon livre, c'est que ce grand Big Bang électoral auquel on assiste depuis 2017, avec l'effondrement des partis politiques traditionnels, cette recomposition en trois blocs qui n'est pas stabilisée, en fait, de mon point de vue, en termes d'interprétation, ce n'est que la mise en conformité tardive du paysage électoral avec la réalité profonde du pays qui s'est considérablement transformée. Et donc, au bout du bout, ça se voit dans les urnes, si je puis dire. Ça, c'est le premier point d'accord que j'ai avec vous sur cette nouvelle situation comme révélateur d'un espèce de monde nouveau. Et puis, le deuxième point d'accord, c'est qu'effectivement, la relation aux politiques, l'engagement, stable dans un courant de pensée, y compris même pour les militants, dans une organisation, eh bien, n'est plus du tout aujourd'hui ce qu'elle était, d'où le caractère très instable et très provisoire d'un certain nombre de phénomènes politiques. Où, et c'est là où on recroise l'individu et le collectif.
Regardez ce qui s'est passé lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, où il a fait monter ou fait advenir toute une génération députés qui venaient, comme on dit, de la société civile. Et en cours de mandat, ce qui aurait été complètement inconcevable dans le monde d'avant, beaucoup d'entre eux ont raccroché les gants en disant « Non, finalement, ça ne nous intéresse pas, l'Assemblée, on va retourner à ce qu'on faisait dans le privé. » Et puis pour ceux qui ont joué la carte jusqu'au bout, jusqu'en fin du premier quinquennat, on a eu un taux de non-représentation anormalement élevé. Et ce qui ferait se retourner dans leur tombe, beaucoup de députés qui avaient commencé à militer à 20, 15 ou 20 ans, qui avaient été conseiller municipal, puis conseiller général, et le Graal avait été qu'ils étaient députés. Députés-maires. Voilà, et députés-maires. Voilà, et après, ça, c'est plus possible. Mais donc, on se dit, mais avec des même l'engagement politique, le côté un peu moins de soldats, aujourd'hui, manifestement, n'est plus adapté. Ou ne se retrouve plus suffisamment dans la société. Ça dit beaucoup, donc je reviens à l'individu. Voilà. Alors, il y a deux ans, dans une interview jointe avec Pierre Vermeeren, vous disiez, finalement, entre archipélisation et balkanisation, vous choisissiez archipélisation, qu'on n'était pas dans la situation de balkanisation qui évoque plus la guerre de tous contre tous, mais... Dernièrement, vous avez évoqué quand même un destin proche de celui du Liban. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? J'ai justement évoqué le scénario à la libanaise pour plutôt me positionner en contre. Et on ne va pas spoiler, comme on dit, la suite de la fièvre. Mais vous verrez que moi, je pense que le comportement aujourd'hui qui est le plus répandu à l'échelon individuel dans une société fragmentée, c'est plus l'évitement que l'affrontement. Eh bien, on va peut-être s'arrêter là. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Le mot de la fin. Ça m'évoque votre titre, La France d'après, qui est un titre équivoque. M'évoque ce que disait Lacan aussi, c'est-à-dire que les maîtres d'aujourd'hui, les maîtres inconnus de demain, c'est aujourd'hui qu'ils commandent. Voilà, merci à vous. Donc nous allons passer à l'actualité de la psychanalyse avec Philippe Lassagna qui nous parle de Bordeaux en duplex sur une actualité et un livre. D'accord. Bonjour Philippe Lassagna, merci. Vous êtes psychanalyste, membre de l'École de la cause freudienne et de l'AMP, et vous nous parlez aujourd'hui d'un livre d'Angus Deaton, prix Nobel d'économie 2015, publié en 2020 avec Anne Case. Oui, c'est un livre sur les morts de désespoir aux USA durant ce siècle de façon récente, qui est écrit par un économiste, Angus Deaton, qui est un compagnon de route de Daniel Kahneman et qui a été prix Nobel d'économie en 2015. Fonsi Kahneman s'était intéressé à la psychologie hédoniste dans sa fonction sur l'économie, dans son rôle dans l'économie. Deaton, lui, s'est fait connaître déjà pour avoir montré que d'une manière générale, la croissance du revenu, l'enrichissement, ne contribue pas nécessairement à améliorer la santé. Il a aussi montré que du point de vue économique, le progrès, c'est-à-dire la quantité de richesse, était un producteur d'inégalités. Alors ce souci pour les paradoxes de l'économie et de la santé amène donc Deaton et Case à se pencher sur la question de la vie, de la mort et surtout du suicide aux USA dans les années post-2000. Alors, ce qui m'a amené à lire ça, c'est une remarque de Lacan qui, au sortir du deuxième conflit mondial, a écrit La causalité psychique. Et il faisait remarquer, alors qu'on aurait pu penser qu'il ait fait valoir la pulsion de mort comme agressivité, qu'elle était avant tout pour Freud une tendance suicide. Et
Dans ce texte aussi remarquable, Lacan isole une passion humaine qui est tout simplement la passion d'être un homme. Et on peut dire qu'à la fois, du côté du narcissisme, elle peut mener au pire, mais qu'à la fois, si on la dénie, elle peut aussi mener d'une autre façon au pire. C'est-à-dire, ça souligne le poids de l'identification dans sa dépendance au lien social, en tant que le lien social permet justement de trouver une identité. Alors, justement, aujourd'hui, n'assiste-t-on pas à une crise d'identité sur des tranches de société qui ne s'y étaient pas préparées ? Des tranches de la société Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. La tranche de société sur laquelle se penchent Deaton et Case, c'est celle des ouvriers américains confrontés à la désindustrialisation corrélative de la mondialisation. Et au fond, ils mettent en avant que le malaise dans la civilisation trouve aujourd'hui, alors ça c'est l'originalité de leur travail, qu'il y a un effet de croisement, si vous voulez, entre cette désindustrialisation et cette crise d'identité, avec la découverte de médicaments qui sont censés soigner la douleur, mais quelle douleur ? Est-ce que c'est la douleur morale ? Est-ce que c'est la douleur sociale ? Est-ce que c'est la douleur physique ? Et ce sont des médicaments qui sont disponibles sur ordonnance et qui sont donc inventés dans ces années-là de façon concomitante. Et bien sûr, les victimes de cette épidémie, l'épidémie des opioïdes, ce seront les hommes blancs, frappés par la perte d'emploi, sans avenir ni espérance, qui deviennent la proie de la drogue, de l'alcool et surtout de ces opioïdes. Ce sont le plus souvent des hommes en milieu de vie, ceux pour qui se pose la question aussi de ce que peut être la valeur de leur vie. La souffrance physique ou la maladie font partie du désespoir de ces sujets. Et le pourcentage des gens se disant en mauvaise santé aux USA a doublé depuis la fin du siècle dernier. C'est énorme. Ces désespérés se sentent souvent tristes, agités, sans valeur. Et tout exige pour eux un effort, même se déplacer, et c'est connu, voire faire un kilomètre à pied est compliqué. Ils sont isolés, ils sont frappés par la souffrance sociale, et ces malaises physiques et moraux ont rencontré quelque chose qui n'existait pas auparavant, c'est le marketing agressif des laboratoires pharmaceutiques qui ont produit des antidouleurs censés ne pas créer de dépendance, ce qui était totalement faux. Et il s'agissait à l'époque de persuader patients et médecins, des fois par des publicités à la télévision, que la douleur ne devait plus exister et que c'était possible. Alors la douleur, on ne précisait pas forcément quel genre de douleur. Et la douleur est devenue alors pour la médecine ce que le patient dit qu'elle est, et elle fait partie des constantes à mesurer lors de tout examen médical. C'est-à-dire, on s'en réfère à ce qui est dit. Alors, l'épidémie liée aux opioïdes frappe quelle tranche de la population, puisque nous étions dans les chiffres? Oui, alors il y a beaucoup de chiffres dans le livre de Deaton. C'est plutôt les hommes en milieu de vie. Et alors, ce qui est très curieux, c'est plutôt en effet eux qui souffrent, par exemple, physiquement, que les gens plus âgés, ce qui est surprenant, les retraités, par exemple. Et les auteurs montrent tout au long de l'ouvrage que la souffrance psychique et physique se répartit différemment, et ça c'est très frappant, avec un critère, alors là, très statistique, c'est le niveau d'études. Il y a un fossé profond entre les titulaires d'un master, c'est-à-dire un bac plus 4, et les autres. On peut dire qu'ils ont des vies entièrement différentes. Et l'épidémie mortelle des opioïdes a surtout frappé la population qui n'avait pas ce master, qui n'avait pas bac plus 4. Et
surtout la population aussi, qui était une population ouvrière, frappée par la désindustrialisation, et habitant des villes périphériques, un petit peu dans une Amérique périphérique, loin des grandes villes, où il y a la plupart du temps des gens justement qui ont le niveau master et qui participent à la mondialisation et à ses aspects positifs, peut-on dire. Et donc, le résultat quand même est assez impressionnant, puisque selon les auteurs, par exemple, en 2017, c'est un livre qui est déjà un petit peu ancien, il est paru en 2021, 158 000 Américains étaient morts de désespoir par overdose, suicide ou alcoolisme, parce qu'au fond, Deaton montre que tout ça, c'est un petit peu à mettre sur le même niveau. Et il cite d'ailleurs la remarque de quelqu'un qui est assez formidable, qui est Katie Redfield Jameson, qui était un professeur de psychiatrie bipolaire, et qui disait « La drogue et les troubles de l'humeur cumulent ce qu'ils ont de pire, seuls ils sont terrifiants, ensemble ils sont mortels. » Et au fond, c'est ce qu'on voit. Et Deaton souligne qu'il y a à l'heure actuelle 47 000 suicides par an aux USA, ce que l'on peut comparer aux 70 000 morts d'overdose, qu'on peut ajouter donc aux suicides. Et les accidents de la route ne font que 40 000 morts. Et les homicides qui semblent un fléau là-bas, ce qui n'est pas faux, ne font que 20 000 morts. L'épidémie des opioïdes aurait donc fait depuis le début, là j'amène beaucoup de chiffres, 600 000 morts entre 1994 et 2017. Je pense qu'aujourd'hui on est à 750 000. Le résultat est que l'espérance de vie aux USA diminue depuis plusieurs années, ce qui est une nouveauté radicale. Et au fond, il semblerait que les opioïdes sont responsables de 70% des décès liés à la drogue et à l'overdose. Et en 2012, on en a produit suffisamment pour que chaque Américain moyen ait un mois de traitement disponible. C'est assez incroyable. Et donc, les gens qui ont produit ces opioïdes ont gagné entre 30 et 50 milliards de dollars. Après, ils en ont restitué un certain nombre puisqu'ils ont été condamnés par la justice. Le fameux fentanyl, lui, a fait 284 000 morts depuis le début de sa diffusion jusqu'en 2017. Et aujourd'hui, vous savez qu'il concurrence la cocaïne. Et on peut dire que ces médicaments sont passés à travers tous les filtres censés être ceux de la société américaine, enfin de la régulation, de l'évaluation, que l'on nous vante beaucoup, hein, presque comme un modèle, et bien justement on s'aperçoit que la raquette a des trous gigantesques. Et évidemment c'est aussi passé par un lobbying au niveau des élus, et on peut remarquer que dans ce lobbying, les patients sont peu représentés. Il y a une phrase célèbre connue au Congrès américain, « Si vous n'avez pas de place à table, c'est que vous figurez au menu ». On peut dire que les patients font partie du menu. Philippe, est-ce que ça se passe aussi en Europe, tout ça, ou est-ce que c'est exclusif aux États-Unis ? Alors, c'est quand même singulier, cette épidémie en Amérique, au niveau du volume. Mais il y a eu quand même plus de 6000 décès par overdose en Europe, overdose liée aux opioïdes, en 2021. Et les prescriptions d'OxyContin, donc un de ces opioïdes en France, ont augmenté de 750% depuis 2006. C'est considérable. Mais cette différence, quand même, qui fait que l'Europe est en partie épargnée, est liée au système de santé des USA. Alors qu'il est un des plus coûteux au monde, il est, d'après les auteurs du livre, un des plus socialement et médicalement inefficaces. Mais il est par contre un de ceux qui rapportent le plus à ceux qui, disons, le dirigent ou en fixent les règles. C'est 18% du budget de l'État. C'est-à-dire, c'est quatre fois le budget de la défense. Et le budget de la défense des États-Unis, c'est considérable. Il y a aussi quelque chose qui s'ajoute à ça, c'est que le coût de la santé
a une action, un effet sur le montant des salaires. Étant donné que les employeurs paient le salaire et les frais de santé, les salaires sont en stagnation du fait de l'augmentation considérable des frais de santé. Alors, les auteurs ont proposé des remèdes, mais ils sont très prudents, ce ne sont pas des gens qui sont forcément anticapitalistes. Ils proposent ni un revenu universel, qui est une des solutions proposées, ni une imposition des plus riches, mais une réforme profonde du système de santé et surtout des salaires. Et un accès beaucoup plus facile au savoir. Parce qu'au fond, c'est là-dessus qu'on peut insister, nous, c'est qu'il y a une question de savoir. Il n'y a pas que la croissance et il n'y a pas que le coût des choses ou le bénéfice qu'on peut retirer. Il y a aussi la façon dont on perçoit, dont on sait et dont on fait des choix qui sont gouvernés par le savoir. Et au fond, le désespoir en politique n'est pas qu'une simple question de niveau de vie. On le voit. Il est surtout une question de rapport au savoir, puisque les auteurs marquent que le clivage, c'est quand même cette histoire du master. Et ils montrent même que c'est un clivage qui devient plus profond, là c'est peut-être quelque chose qui intéresserait M. Fourquet, que par exemple les clivages ethniques. C'est-à-dire que le niveau de culture, le niveau d'études est ségrégatif de façon presque plus intense que les questions ethniques. Lacan avait déjà montré il y a longtemps lié le suicide au refus radical de savoir. Ah oui, d'ailleurs, il y a une citation de Lacan que j'aime beaucoup, c'est celle-ci. « Le suicide est le seul acte qui puisse réussir sans ratage. Si personne n'en sait rien, c'est qu'il procède du parti pris de n'en rien savoir. » Et au fond, il y a en effet un refus du savoir qui pose la question, je crois, du rapport du savoir avec le réel de la mort, ce qui nous amènerait bien loin. Et c'est assez curieux parce que Deaton semble, sinon ignorer, du moins négliger en quoi les réseaux sociaux ont contribué à ce refus de savoir, voire à cet isolement et voire à cette crise morale d'une certaine catégorie de la population. Ce refus de savoir n'est pas uniquement celui des USA. Si le taux de suicide était en diminution, par exemple en Russie, dans les années 2000, l'espérance de vie est elle aussi en chute libre depuis 2019, donc avant la guerre, avec l'Ukraine. Et les drogues font autant de ravages en Russie, il y a 100 000 morts par an, et il y a aussi 6 millions de toxicomanes. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans l'avenir, puisqu'on voit que quand même la mondialisation a frappé un ensemble d'une catégorie sociale, de gens qui étaient intégrés dans une industrie qui a périclité, qui a été remplacée par ce qu'on appelle aux États-Unis les bullshit jobs, c'est-à-dire les métiers qui ne valent pas grand-chose. Eh bien, on peut penser que le groupe des gens qui ont Bac plus 4, ceux du master, ils vont subir dans pas longtemps du tout une autre vague, celle de l'intelligence artificielle, et on verra aussi une grande souffrance sociale. Merci Philippe, merci beaucoup, et avec ces perspectives pour d'autres émissions peut-être avec vous Jérôme Fourquet, qui sait, pour vous interroger sur l'intelligence artificielle et les sondages, pourquoi pas une autre fois. Donc c'est l'heure de vous dire au revoir, merci, et à la semaine prochaine. À samedi prochain. Merci.